Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 74e jour sur Animal Crossing. Hier, je n'ai encore une fois pas fait de live sur Animal Crossing, donc je vais vous montrer ce qu'il s'est passé. Et on va commencer par... On va commencer par ceci. Voilà. Allez, donc hier, je suis allé chez Nook, juste avant que ça ferme, parce que j'ai vraiment fait au dernier moment. De manière à aller voir le cours des navets, parce que on avait donc gardé des navets, on s'était dit qu'on allait les vendre nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas envie de refaire un aller-retour chez la personne qui nous avait filé ça. C'était Mickey McFly d'ailleurs qui nous avait filé son superbe cours de navets. Et là je suis à 125 clochettes pièces, donc c'est plutôt pas mal. Je suis allé chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai récupéré mes navets, mais je suis pas sûr que ce soit ça que je vais faire, donc on va voir. Ouais c'est ça, je vais récupérer les navets restants et je vais décider de les vendre puisque je les avais achetés à 90, donc là les vendre à 125 c'est plutôt intéressant. Donc je récupère les quelques navets qui me restent et on va les vendre. Vous avez vu que dans le shop il y avait également un canapé, il me semble que je l'ai acheté le canapé hein. Ouais, vous voyez j'ai acheté le canapé parce qu'il était vraiment très très cool. Donc du coup pam 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 pam, je décide de vendre tous les petits navets de manière à me faire un petit peu d'argent. Tu vas apporter beaucoup de choses, voilà, et ça va me rapporter 100 000 clochettes, je crois. Voilà, 100 000 clochettes tout rond, c'était parfait. C'est bien, on les avait achetés à 90 clochettes unités, on les vend à 125, c'est ok. Ensuite, je suis allé au musée, il faut savoir que il y avait encore le rallye des tampons, les gars. Incroyable, je sais, vous êtes choqués. Je vous vois choqués dans le chat. Incroyable. Et donc du coup bah, il nous a donné nos prix du rallye des tampons normal. Et puis j'ai fait le petit concert de Kéké. Alors il nous a joué une musique je sais pas quoi. Je crois que c'est Flamenco Kéké. Je crois qu'il nous a joué Flamenco Kéké. Mais voilà, donc on a eu Flamenco Kéké. Il m'a donné la musique. Bon je l'avais pas. En fait je suis en train de me demander, est-ce que Kéké peut vous chanter une musique que vous avez déjà quand tu lui dis surprends-moi? Je me demande si c'est possible qu'il fasse ça, ou si à chaque fois il donne une musique différente. Je sais pas trop. Et alors qu'est-ce que j'ai fait également? Alors attendez, j'ai dû faire quelque chose parce que là si j'ai filmé... Ah c'est ce matin! Eh oui, ce matin, eh bah oui, ce matin j'ai ouvert mon jeu parce qu'on est dimanche et que le dimanche il y a Porcelette. Et donc du coup Porcelette m'a acheté les navets. Enfin, me vendait des navets à 109 clochettes unités, je crois. Donc du coup, j'en ai pas acheté beaucoup, j'ai juste acheté ça. Voilà, j'ai fait une petite forme un peu sympa dans mon grenier. Voilà, j'ai juste acheté ça parce que ça me saoulait un petit peu, c'était un peu cher. Donc j'ai pas acheté énormément, j'ai dû en acheter pour 250 000. Quelque chose dans le genre. Voilà, voilà. Donc j'ai acheté ceci comme navet, c'est très très cool. On verra, on pourra les vendre, on pourra se faire je pense un peu plus d'un million. Voilà tous nos trucs, et en fait je me suis rendu compte qu'il me manque une plaque. Il me manque une plaque insecte. Et je me dis, il y a deux possibilités. Soit la dernière fois quand j'ai envoyé tous mes personnages faire le rallye tampon, j'ai oublié de récupérer une plaque. Soit... j'ai oublié de la donner à mon perso principal. Donc je ne sais pas. Quand bien même on découvrirait la vérité, il faut que j'aille dans le stockage parce que j'avais trois nouveaux trucs à mettre. Alors on va aller les voir. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop, 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 hop. Donc on avait 1, 1, 1. Voilà. Donc toi, je vais te mettre... attends, on va faire ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Boum. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui... alors aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le rallye des tampons. Et il va nous en falloir 6, plus potentiellement 1. Mais ici, il va falloir que je trouve lequel c'est, parce que je ne sais pas... je ne sais pas lequel de mes personnages a gardé son truc. Mais on verra. Et ensuite, on aura la salle complète. Et ça, ce sera incroyable. Donc voilà.
T'as oublié avec un de tes personnages, je crois. Mais je pense parce qu'en fait, quand je regarde sur moi, et je vais te montrer ce qui me fait dire ça. Quand je regarde sur moi, ah bah non, j'avais pas vu, mais hier, quand je regardais sur moi, j'avais un trophée de l'académie des joyeux décorateurs là. Et en fait, je pense que je l'ai piqué à un autre personnage en fait, sans faire exprès. Je l'ai fait le rallye des tampons. D'accord, ok, sans titre. Je savais pas. Aujourd'hui, on a aussi la JD qui est passée. Est-ce que le fait d'avoir plein de trophées au mur les a fait me donner une super note? Bah, je pense pas, parce qu'il n'y a pas de cadeau avec leur truc. Rang S. Le rouge à l'est, comme le préconisent les livres du Feng Shui, n'est-ce pas, Julien? Le kit du petit coin ne pourrait pas être mieux placé. Ok, merci. Merci à JD. Machin rose. J'ai rêvé de toi cette nuit, un truc de fou. Alors dis-moi, tu as fait exprès d'être dans mon rêve. On aurait dit que tu avais un truc important à me dire parce que tu étais un scarabée et tu dansais. Merci. Et Odile, elle disait quoi? J'ai toujours rêvé de vivre dans une bibliothèque. J'imagine entouré par des étagères pleines à craquer. Dans une telle maison, je ne serais jamais à court de lecture. Yes, bien, incroyable. Et Pollux, qui nous a enfin créé le modèle de poisson scorpion. Oh non, mais Rose, elle m'énerve. Dès qu'elle part, je la laisse partir. Moi, je vous le dis. Vivement qu'on puisse faire du habitant hunting. Mais il est plus joli, joli en vrai qu'en modèle, hein, je trouve, hein, le poisson scorpion. Personnellement, je trouve. Hein. Bon. Là, on a nos arbres. Alors, on a combien d'arbres là qui ont poussé? Oh là, on a plein d'arbres. On a plein d'arbres. Eh bien, écoutez, allons-y. Allons-y, on va utiliser la hache. Comme ça, on fait tout en même temps. Voilà. Ça, c'est fait. Rose est amoureuse de toi? Non, quand même pas. Non, non, elle est pas comme ça, elle. Non, non, Rose, elle sait bien qu'on la déteste. Mais c'est ça qui l'a fait frémir, en fait. Ça l'a fait frémir de savoir qu'on la déteste. J'ai pas regardé si c'était des sacs de 11 000 ou de 10 000. 10 000 et l'autre, c'était... Eh ben, on sait pas. Les autres, j'ai pas regardé. Ici. Encore sac de 10 000 clochettes. Elle est mignonne, Rose. Ouais. Certes. Elle a un peu de charme. Ouh, là, je pense que... Il faut qu'on se débarrasse de certaines fleurs parce que sinon... on va pas réussir à faire tomber les trucs où on veut. Pourquoi j'ai des fleurs devant ma maison? Même. En vrai, même. Pourquoi j'ai des fleurs, là, devant ma maison? À quel est l'intérêt? Elle me saoule, celle-là. Qui a eu l'idée de les mettre là et de se dire vas-y, on va les garder? Je sais pas. Mignonne, c'est pas le bon mot. Non, c'est vrai qu'elle est pas mignonne, Rose. Je la trouve pas très très mignonne, en tout cas. C'est toi, non? Ah, ouais, y a moins que ce soit moi, ouais. Ouais, c'est moi qui ai mis des roses. Pas des roses, des fleurs. Je sais pas. À approuver. Ça reste encore à prouver, hein. Ça reste encore à prouver. Bon. Allez, c'est parti. Ok. J'ai failli en perdre un. J'ai failli perdre un sac. Donc sac de 10 000. Sac de 10 000. On a... Ouais, ok, on en a eu aucun 11 000 là pour le moment. Hop. Voilà. Et celui-ci. 10 000 clochettes également. Ok. Ils sont passés où les sacs de 11 000 là? Il fut un temps, on avait des sacs de 11 000 clochettes. Et là, on en a plus. Assez incroyable. Alors, aujourd'hui, on est dimanche, hein, donc on n'a pas de personnage dans notre ville. Je suis désolé, mais Karen, elle me saoule. En fait, pourquoi je choisis des personnages nuls? Pourquoi je les fais venir des... Non, Karen, on l'a pas choisi. Ok, Karen, on l'a pas choisi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Karen, on l'a pas choisi. On n'a pas choisi Karen. Donc ça passe. On est ok. On l'a pas choisi, elle est venue toute seule. Il y a un brin de muguet là-haut. Ça, c'est top. C'est Tom Nook qui l'a choisi. Bon, je crois que c'est elle qui a trouvé une maison libre et elle est venue toute seule. Hein.
LOL, il te saoule en vrai. Il y en a qui me saoulent, ouais. Encore la valise pleine de billets. Comment je l'ai emmené sur le côté, JPP. Merci à Mieshop pour les deux subgifts à Léa et à Le Chat. Merci à toi. Vas-y, je rachète la valise en aluminium. Incroyable. J'en rachète une. Moi, j'aime bien avoir des valises en aluminium. Donc il pleut, hein. C'est la deuxième fois de la journée, hein, qu'il pleut, hein, les amis, hein, parce qu'il pleuvait ce matin quand je suis allé chercher Porcelette. Je sais pas si... Est-ce que quand il pleut plusieurs fois dans une journée, ça compte comme si... plusieurs personnes arrosaient. Hey. C'est une question, ça. Dont les questions se posent. Je crois pas. D'accord. Ok. Bah écoute, intéressant quand même à se poser la question. Je pense que c'était plutôt pas mal. Bon alors, rose noire, j'ai cru qu'on avait une rose bleue. J'ai tellement cru qu'on avait une rose bleue. Ah, je suis si déçu. Je suis si déçu. Ok, une nouvelle rose d'or. Le troisième fossile de la journée. Triste, ouais. Putain, il nous la faut cette rose bleue. C'est vrai que c'est... Je crois qu'il nous reste limite que ça pour finir le jeu. Non, peut-être pas, il nous reste d'autres choses à faire, mais... Mais c'est un peu l'un de nos objectifs, tu vois. Alors, une autre rose d'or ici. Sur Animal Crossing, on peut jouer à plusieurs. Waouh, il y a plein de roses d'or aujourd'hui. Oui, tu peux jouer à plusieurs, bien sûr. Plein de roses d'or aujourd'hui. J'ai bien fait d'arroser hier soir. Mais rose, c'est très très cool. Une dernière? Ah non, pas de dernière. Je pensais qu'il y en aurait une dernière, mais non. Mais non, mais non. Hop. Ne vous inquiétez pas, j'ai entendu le ballon. Je le vois d'ailleurs. Ça c'est plutôt pas mal, mais j'ai peur d'être full. Non, c'est bon. Hop. Toi, je te prends. Boum. Et je plante une rose noire plantée. Tac, c'est parfait. Et on va, boum, utiliser le lance-pierre doré. Ah bah du coup, oui. Ouais, bah c'était bête en fait du coup. Le move était vraiment pas incroyable. Allez, c'est parti, le rallye tampon. Allez, est-ce qu'on a le rallye tampon encore aujourd'hui? C'est le dernier jour, hein. Ce serait bien d'avoir le rallye tampon. Yes! Eh, vous savez quoi? Je vais commencer à croire que, en vrai, le rallye tampon, il n'est pas aussi rare que ce qu'ils nous ont dit. Je vais commencer à croire qu'en vrai, on aurait pu l'avoir tous les jours. Bon, allez, c'est maintenant, les amis. Il faut que, là, vous disiez fossile dans le chat. Fossile, 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 fossile. Ou, si vous êtes des oufs, vous dites crâne de brachiosaure. C'est le moment où il faut invoquer le fossile manquant. Allez, fossile, 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 fossile de brachiosaure, fossile, fossile, crâne de brachiosaure, fossile, fossile, fossile de brachiosaure, fossile, fossile, crâne de brachiosaure. C'est parti. Non. Eh non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille faire l'outfit d'aujourd'hui. Thank you.
Ah, là, il est vraiment vénère. Allez, dégage. Excusez-moi. J'avais besoin d'extérioriser, il m'a saoulé. J'aime pas cette personne. J'aime pas cette personne. Je n'aime pas cette personne, après voilà, je vous le dis. Pourquoi tu l'as pris alors? Mais je sais pas, c'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Alors, comment on peut s'habiller aujourd'hui? Comment pouvons-nous nous s'habiller? Ça, on a déjà fait. Attendez, il y a un truc possible là. Il y a un truc possible. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Non, ça c'est mieux. Ok. Et là, je peux mettre genre ça. Ouais, ça c'est pas mal. Au niveau du pantalon, viens, on garde le rose et on va mettre des petites bottes comme ça. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et donc du coup, si vous voulez que votre île soit visitée, vous pouvez aller sur le Discord, point d'exclamation Discord, et il faut que vous donniez les raisons pour lesquelles on devrait, je devrais aller visiter votre ville plutôt qu'une autre. Voilà, tout simplement. Incroyable ce petit outfit en vrai. Incroyable. Ah, c'est par là la sortie. Un Sherlock Holmes masqué. Ouais, c'est ça. Trop classe. C'est un agent secret. De ouf. Vas-y. Marche plus vite. Marche plus vite. Marche plus vite, sinon je te tape. T'arrêtes pas. Ne t'arrête pas. Tu l'as cherché. Que je te revois pas. Oh Julien, rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Parle-moi d'un truc. Aujourd'hui, le plic-ploc de la pluie me susurre d'aller m'acheter des nouvelles chaussures. Eh ben vas-y, super. Alors, quelles sont les nouvelles au pif? Regarde un peu le ciel. Mère nature a le sens de la classe, toujours en parfaite symbiose avec la saison. Ok. Genre, vu que c'est le dernier jour de printemps, elle nous dit, les gars, c'est le dernier jour de printemps, donc j'ai envie de vous faire yesh jusqu'au bout. Je pense que c'est ça. C'est ça que Graham voulait nous dire. Du coup, il va falloir qu'on fasse le rallye tampon. Le rallye tampon, j'ai envie de le faire qu'avec deux personnages. Mais comme je ne sais pas lequel de mes autres personnages a gardé méchamment, parce qu'il aurait pas dû le garder, son sa plaque, et ben je suis obligé de tous les appeler. Donc on va tous les appeler. On va appeler tous les personnages pour faire le rallye tampon. Mais il y en aura que deux en fait qui vont le faire, moi et puis un pote. Alors maintenant, qui a volé la plaque du rallye? Qui a volé la plaque du rallye? Non, c'est pas moi qui l'a volé, moi je suis juste croupier. Je voulais juste la donner, mais je l'ai oublié. C'est lui ou pas? Est-ce que c'est lui? Caméra de surveillance, puis le document. Oh, c'est lui! C'est lui qui l'a volé. C'est lui qui l'a volé. Waouh! Waouh! Eh ben, pour la peine, bam! On va réorganiser le groupe. Hop. C'est parti, on va aller au rallye tampon avec ces deux personnages. Et ça sera parfait. C'est qui Titouan? Ah non! Ah, je m'en vais. Non, on s'en va. Oh, pas lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Viens, on va dans les poissons, hein, nous. Hop. Parfait, j'espère qu'il est plus dans les fossiles. En vrai, s'il est encore dans les fossiles, franchement,
Je sais pas ce qu'on va faire. Non, il est parti là, Léonard. On est d'accord. Léonard, il est parti. Il est plus là. C'est moi qui est plus là. C'est pas possible. C'est pas possible. Dis-moi que t'es plus là, Léonard. S'il te plaît. Donc j'espère que ça va être le cas. S'il est pas parti, tu le tapes dehors. Est-ce que le fait de sortir du musée, de re-rentrer dans le musée, va faire que... il va partir, Léonard? Ah là là! Gros nez qu'on va l'appeler. Il n'a pas d'intérêt. Je pense que je regrette le départ d'Aurélie, parce que Aurélie, au moins... au moins, elle nous lançait des petits taunts en mode... avec un soleil comme celui-ci, il ne faudrait pas rester confiné chez soi. Et elle nous lançait des petits taunts parce qu'elle savait qu'on était confiné. Et ça, c'est drôle, tu vois. Vous avez vu ce nez large qu'il a? On dirait, hein, on dirait les gâteaux au chocolat. Alors, les petits gâteaux au goûter au chocolat qui sont... Putain, faut que je vous les dessine. Ces gâteaux-là, au milieu, c'est du chocolat. Et là, c'est du truc... Comment ça s'appelle? Kango. C'est ça? Kango, Kangoo. Voilà, merci. Hey. Regardez, son nez, c'est un Kango. Son nez, c'est ça. C'est clairement ça. C'est tout. C'est juste ça. Je suis morte, c'est vraiment ça en plus. Mais bien sûr. Bien sûr, regardez. Regardez, même orientation. Non, mais incroyable. Tête de Kangoo. Kango. Tête de Kango. Non! Qu'est-ce qu'il a? Cours. Bon, ok. Oh, salut! Dis-moi, dis-moi. Je savais pas qu'il fallait que je me prothèse aussi pour Animal Crossing, mais bon, visiblement on est obligé de se protéger maintenant, même dans Animal Crossing, donc là ça va plus. Là ça va plus. Et c'était un bel éternuement, j'espère avoir fait peur à personne. Certains disent que éternuer est contagieux. C'est pas vrai, pourquoi tu fais cette tête? Calmez! Rien de tel qu'un bon éternuement, ça mobilise plein de muscles, tu devrais essayer. Wow. Et voilà, ça y est, voilà, j'ai le Covid. Quelle audace, ce Léonard, mais de ouf. Mais de ouf, on va aller voir Marie. On va aller voir Marie et j'ai mes écouteurs qui se sont mis dans le masque. Masque plus écouteurs avec fil, c'est pas ouf. On va aller voir Marie. Parce que là, ça va plus. Là, je suis désolé, ça va vraiment plus. Incroyable. Problème de voisinage. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, il est où? Allez, Léonard le moche, Kangooman là, Kangooman. Sa façon de parler, j'aime pas. Bien sûr tu vas aller lui parler. Mais l'erreur de prendre Léonard, il va contaminer toute ta ville. Léonard, ça fait 3 jours qu'il est là, il prend déjà cher, mais de toute façon... incroyable. Alors attendez, parce que avant il se passait un truc intéressant, donc on va quand même regarder. Odile. Oui! Oui! On va pouvoir faire du habitant hunting. Incroyable. Ok, ok. Dis Julien, depuis combien de temps est-ce que tu habites ici, toi?
Ah, j'étais perdu dans mes pensées. Depuis quelques jours, je songe à refaire ma vie ailleurs. Je ne suis malheureuse... Je ne suis pas malheureuse ici, mais... Mais j'ai besoin de nouveautés, tu comprends? Un alligator ne peut pas rester toute sa vie au même endroit. Nous avons besoin d'élargir notre territoire, de voir de nouvelles têtes. Il y a Luana qui nous a dit non, pas écoute ton cœur, écoute ton cœur sur le nez. C'est incroyable, j'adore. Eh ben, c'est parti! C'est parti, à 75%, vous avez voté pour qu'on la vire. Eh bien, c'est parti. Écoute ton cœur. Merci Julien, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Ah là là, ça ne sera pas facile de vivre loin de toi, mais je sais que c'est la bonne décision. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Merci à tous YouTube d'avoir suivi ce 74e jour sur Animal Crossing. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Je vous rappelle qu'on est en live en général quasiment tous les jours à partir de 15h sur Twitch. Et puis sinon, parfois plus tard dans l'après-midi sur d'autres jeux qu'Animal Crossing. Merci à tous, restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtitof et bye tout le monde.